C'est rouge. Terrain, coup d'envoi. On va venir dans la foulée faire nos équipements et on vous laisse tranquille. Alors le timing c'est 15h56, on est dans le couloir. Ok, pas de soucis. 15h56 dans le couloir, il y a des procédures à suivre et on suit le protocole et on rentre sur le terrain et tout le reste des coups. C'est un bon match. On arrive, on vient. Je vais sur le terrain. Vous avez chauffé où? On nous a dit. C'est où? Derrière là? Oui, derrière synthétique à côté. Les avants sont là. Alors on vient voir vos avants. Le criard est derrière, il y a du mal, je vous vois interview les trois. Interdit, vous jouez dans le sable, mais dites-le que je vous ai. Toujours je vous ai dit, il y a tous les droits. Interdit de faire l'homme, les gars. Il faut se faire plaisir, aujourd'hui il faut se faire plaisir. Nous prenons le suivi. Et puis il y a des avants, vous voulez. On nous prend chaque fois pour de la merde. Mais on va montrer qui c'est les guerriers. On va montrer qui c'est. Morodon, qui c'est Morodon? Ok? Levez la tête, bordel! Soyez fiers, quoi! Soyez fiers aujourd'hui! Le tout ce que vous avez fait toute la saison! Les tripes, on va aller le chercher. Les stars, j'en veux pas! Il y a les caméras, il y a le tout, ça fout le temps! Moi, je veux des pétards de Morodon! De la famille! Des enculés qui vont être toute la tranche de la famille! De la famille! Les hommes, regardez-vous! Les hommes pour les autres, pas les hommes! Les hommes, ça fout le temps! Ouais. Et toi, quand tu veux soigner les frites, et toi, tous, et toi, tu fais quoi? Tu laves les canards, mais on les emmerde! On les emmerde parce que c'est une personne lourde et sec! Ici, une personne lourde et sec, d'accord? Comment ça fait péter les crampons? Comment ça fait péter les crampons? Eh, j'ai un bord de mec, t'es fou, sur le tiers de mec! Thank you.
toi, gros. Deux mois. Par rapport à ces départs, on va regarder les gens, on part tout seul. Et quand on part droit comme dit. Il nous barre de debout. Quand il y a pas, il récupère le ballon, que comme ça, parce qu'il arrive à le garder debout. Arrive à un putain d'impact plus bas. Au bout d'un moment, on peut acheter les temps du jeu. Là, pour l'instant, on si peut pas. Si vous pouvez, vous êtes pas seul, vous partez pas. Là, ça, on a le temps. Gars, on va avoir le temps. Serré. Les gars, 40 minutes. 40 minutes de le faire, ce putain de rêve. Ils vont pas venir le chercher. Je vous dis, c'est pas possible. Là, on va y mettre à la fin. Pour le point, on va le faire. Tous à table. C'est compliqué, après le ballon est très glissant par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Bon, la conquête revient un petit peu, on a quand même un banc qui est intéressant, on espère passer devant avec ça. Quoi, voilà. L'orage n'a pas douché les intentions a priori. Hein. Non, pas du tout, hein. Mais par contre c'est difficile pour les deux équipes. Elle, malgré le A+, ça joue sur les largeurs, c'est pas mal, mais c'est compliqué. Quoi, hein. Ça va être tendu parce que l'équipe adverse veut gagner aussi. Donc, c'est pas parce qu'on a marqué un essai qu'on a gagné. Donc, le plus dur n'est pas fait ? Non. Ça va être dur jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Et on y croit comme faire et on verra bien. J'ai l'impression que là, on ne combat pas assez. Et, on est en train de passer à côté. Il faut vite qu'on se ressaisisse avant la fin du match parce que sinon, on va la louper cette finale. C'est pas bon là. C'est pas bon du tout. Ça s'est joué au mental là ou quoi ? Mais, je sais pas. Je pense que dès le début, mettre des essais comme ça et mener au score, je pense qu'on s'est un peu enflammé. Maintenant, il faut savoir se ressaisir avant la fin du match, au plus vite. On va effacer toute cette merde là. Et on va repartir sur notre aventure. Ouais, heureux comme un gamin parce qu'on a gagné la finale, voilà, c'est tout. Après c'est vrai qu'on avait un peu peur de l'éloignement de tout ça. On s'aperçoit que c'est quand même
hyper convivial. T'as tout un village qui s'est déplacé là. Ouais, ça, c'est sûr qu'on a quand même un public extraordinaire toute l'année. Souvent on nous dit qu'il est chaud, mais c'est parce qu'il nous connaît tous, c'est que de la famille. Hein, et le copain, la tante, le père, la mère. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il est un peu bouillant, mais on lui doit beaucoup quoi. Et bien continue à faire progresser l'école de rugby qui a des juniors, parce que je pense qu'un moment comme ça, ça va nous permettre de drainer encore plus de monde. Et c'est vraiment l'objectif, quoi. Vraiment partir de la base comme on fait depuis quelques années. Et on espère que ça va continuer. Quoi. Et un championnat de France ? Alors, moi, j'avoue qu'on n'y a jamais trop brillé. On s'est arrêté à 8e une fois en 3e série. Et j'ai toujours un petit regret là-dessus. J'aimerais que Lilian Nodon me donne la recette pour aller plus loin. Quoi. Voilà. Ouais, c'est compliqué à l'admettre, mais on ne joue pas forcément comme on se l'est dit. C'est compliqué aujourd'hui. On était bien rentré dans cette partie. On avait beaucoup d'ambition. Et là, c'est compliqué. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ils ont montré une belle vaillance. Ils nous ont pris sur des points où on était bon en championnat. Et à la fin, sur un match de phase finale, ça ne pardonne pas. Quoi. Il y a eu beaucoup de fautes techniques qui ont empêché le développement du jeu. Ouais, on joue à l'envers. On essaye de forcer trop devant quand on doit passer derrière. On va derrière quand on doit forcer devant. On la joue à l'envers. Voilà, c'est une première finale. J'espère qu'on en connaîtra d'autres. Maintenant, voilà, on va travailler pour la suite en championnat de France et essayer de travailler nos erreurs. Quoi. Oui, c'est vrai qu'on a fait. On a eu le premier quart d'heure difficile où c'est qu'on prend une pénalité, un essai, 8-0. On s'était prévenu avant le match, on savait que même si on était mené au score, il ne fallait pas s'affoler. On l'avait déjà fait de revenir lors d'une finale il y a 5 ans. On a fait la même chose aujourd'hui et on s'est accroché, on est allé la chercher. Que du bonheur. C'est la déception de passer à côté aujourd'hui. On est tombé aujourd'hui sur une meilleure équipe que nous, qui a été plus pragmatique et qui a su jouer avec les conditions. Et nous, on a été trop fébriles pour espérer quelque chose aujourd'hui. Ouais, pour moi, elle n'est pas finie. C'est ce que je vais leur dire en 5 minutes à l'investière. On a les phrases qui commencent la semaine prochaine. Il faut vite se remobiliser, quoi. Il faut rebondir de suite. Hein. Grosse déception, oui. Une défaite logique. On n'est pas efficace sur nos temps forts. On tombe contre une très très belle équipe qui est organisée. Je pense qu'il a su maîtriser un petit peu mieux l'événement parce qu'il y a une moyenne d'âge qui est un peu plus élevée chez eux. On est jeunes, il faut l'accepter. Nous, c'est dur ce soir, c'est dur parce que ce groupe le méritait. Groupe qui est très sain. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. J'ai accepté de travailler avec des jeunes. Aujourd'hui, ils arrivent en finale. Quand même beau, c'est quand même beau. Mais c'est dur de perdre une finale. Saison est plus que réussie. L'équipe réserve la semaine dernière qui joue la demi-finale aussi des Pyrénées. C'est un groupe qui a réussi cette année. On a quand même amené deux équipes, une en finale, l'autre en demi-finale. Donc oui, c'est une saison réussie quand même. On va se tourner sur les championnats de France maintenant parce que cette semaine, on va être revanchard et on essaiera de faire quelque chose pour la suite. Voilà, un bouclier remis par Gilles Sicre, le président du comité territorial de Midi-Pyrénées. Présence du Alain Rey, le président du comité départemental du Tarn, et de Jacques Rezingle, le vice-président du comité territorial de Midi-Pyrénées. C'est une saison accomplie, quoi. C'est le rêve de tout joueur. Tu commences une saison, tu sais pas trop où tu vas finir. On finit premier. Voilà, compliqué, mais bon, on y est arrivé. Comment tu es ? Les deux premiers de chaque poule, c'est normal, quoi. En finale, que le meilleur gagne. Déjà l'an dernier, quoi, on a fait une saison compliquée. On se qualifie. On finit sixième, très compliqué. Après, c'est la famille. C'est le club de famille. On se serre, on se soude. Ça part de là, quoi. Avec tout un village. Voilà, exactement. Ça pousse derrière, ça nous aide. C'est un esprit de famille, quoi. Et maintenant, le championnat de France. Exactement. C'est la première fois qu'on le prépare aussi bien. L'année, on était champion en 2011-2012, on ne l'a pas préparé. On prend 50 degrés, je crois, sur le 32e. Là, tout le monde y passe, tout le monde a envie. Pourquoi pas faire comme Lilian Nodon l'année dernière. Champion des Pyrénées, champion de France.